Le pays tout entier est un champ de bataille. C'est à la vie et à la mort. Et faites-moi confiance, ça n'a rien d'une répétition. Vous aurez vos hommes. Et vous devrez leur faire confiance et inversement. Je me fous de savoir si ces hommes vous aimeront ou s'ils vous détesteront. Faites en sorte qu'ils restent en vie. Et eux vous garderont en vie. Rompez! Hé, sergent! Lieutenant Jeff Knight! Je vois que vous êtes du 173e. Pourquoi a-t-il ce surnom, le bétail? De quoi ça a l'air? De quoi ça a l'air? C'est chouette! On part en patrouille, on descend quelques types d'en face, ils descendent quelques-uns des nôtres, et puis retour à la base. On mange, on dort, et le jour suivant, on recommence. Et avant qu'on s'en rende compte, on est rentré chez soi ou dans une tombe. C'est chouette! Eh, vous savez quoi? Je vais retourner à l'école d'officier. Tu vas revoir ta mère? Eh les gars, visez le nouveau lieutenant. Excusez-moi. Lieutenant, sergent McNamara. Sergent. Bienvenue au Country Club. Ne cherchez pas le lieutenant Frick, il est parti avant l'heure, 3 jours avant. Il avait un problème? Pas de problème. Il se disait superstitieux. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? J'appellerais ça de la paranoïa. Il était sans arrêt hanté par une sorte d'idée fixe. Comme quoi des gens auraient cherché à le descendre. Vous voyez ce bunker? Il s'y est enfermé les 2 derniers mois de son séjour. On n'a pas vu sortir une seule fois d'ici. C'est le coin des officiers. Merci, sergent. Vous pouvez rompre. Ha, ha, ha.
Allez, allume-la. D'après toi, qu'est-ce qu'il fiche là-dedans? Il doit se saouler. À moins qu'il rêvasse pendant qu'il écrit. T'en fais pas, je serai bientôt de retour à sa petite femme. Tant mieux s'il est marié. Ces gens-là n'aiment pas prendre trop de risques. Ouais, ça veut dire qu'ils préfèrent nous les laisser. Mais qu'est-ce que t'as? Il y a un Viet Cong. Où ça? Où ça? Où ça? Ne fais pas le con avec moi, Passera! Ne joue pas au con avec ça! T'as compris? Mais c'est quoi cette odeur? T'as chié dans ton froc? Est-ce que t'as des fruits dans ton barba, Bassera? Ne mens pas, je sais qu'il y en a là-dedans. Et je te donne 2 canettes de bière pour tes pêches. Non, va te faire voir. Pourquoi tu prends pas celle du lieutenant? Il partira avant de les avoir mangées, de toute façon. Non, il va hiberner jusqu'à la fin de son temps et il jaillira de son trou comme un bouchon de champagne au dernier moment. Ah ouais. Tu veux savoir ce que je pense de ce lieutenant? Désolé, lieutenant. Ça va? Bonjour, Joshua Parker, je suis l'opérateur radio. Bonjour, Parker. Dites aux 3 sergents d'ordonner le rassemblement. Pardon? Vous voulez qu'on ordonne le rassemblement? Là, dehors. D'accord, lieutenant. Formez les rangs, et mieux que ça, mettez-vous en ligne. Je suis le sergent Heiss. Bienvenue à la compagnie Bravo, 2e section. Merci, sergent. Sergent Rock, bienvenue au Vietnam. Ça sonne comme un poème. Bonjour, messieurs. Ravi d'être parmi vous. Sachant qu'on va être amené à se côtoyer dans les jours qui viennent, laissons tomber les civilités et mettons-nous à l'ouvrage. Est-ce qu'il y a autre chose à faire dans le secteur? Quel est votre nom, soldat? Bassera. Raymond Bassera. Notre mission est de protéger le village de Truong Lam. Et toute notre activité devra se rapporter à cela. Il faut que nous soyons prêts à le défendre. Afin de stopper l'ennemi, nous devons anéantir leurs commandos et leurs forces d'attaque. En résumé, il faut s'y prendre à la racine. En fait, vous nous parlez de nous emparer d'un œil, lieutenant. Pas encore. Je parle du fait de contrôler la région. On dit que ça va chauffer ici et je dois prendre des dispositions. Nous dépêcherons 3 patrouilles par jour, à intervalles et selon des parcours qui seront changés à chaque fois. Et ce sera depuis les appartements de Frick qu'il organisera ça. Hé, la ferme! Je me joindrai à une patrouille chaque jour. Rompez les rangs. Allez, éparpillez-vous. Et dépêchez-vous un peu. Regagnez vos postes. Sergent McNamara. Je veux inspecter le périmètre de défense. Ah, je vois que vous avez pensé à tout, lieutenant. Non, mais enfin, du moins, j'essaie. Ah, c'est bien. Si les Viet Cong nous filaient des médailles en récompense de l'effort, vous iriez loin, c'est certain. Et si vous cessiez ces conneries un instant, au lieu de ça, vous pourriez ordonner qu'on fasse couper l'herbe des 2 côtés de ce chemin. Je parie que vous avez lu ça dans les livres. Ils ont fait leur preuve? Mais sûrement pas au Vietnam. Bien sûr, ils vous diront sur quel endroit porter les M-60 dans la jungle. Mais les livres se trompent. Il ne faut pas les diriger sur la jungle, mais au contraire, par là, en plein centre du village de Truong Lam. Parce que je peux vous certifier que les Viet Cong y grouillent tout autant que dans la forêt. Vous devriez apprendre ça, et vite. Faut le savoir pour être utile ici. Mmh.
Alors, quel est notre objectif, sergent? La patrouille de Rock semble avoir découvert l'existence d'un camp Viet Cong à près de 2 kilomètres au nord-est du village. Je crois qu'on va tendre une embuscade et voir si les Viet Cong se montrent. D'accord. Mettons-nous en route. Lieutenant, une des choses qui vous apprennent pas sur la jungle à West Point, c'est que quand ça a l'air sûr, ben ça l'est pas. Il aurait fallu qu'on vous ramasse avec une pince à épiler. C'est ici qu'on va s'arrêter. Voilà, à terre. Mieux d'y croire, Bassera. Allez, les gars, on fout le camp d'ici. Oh, quelle chaleur. Prenez place, les mecs, d'ici les vues est superbe. Tu parles. Et à plus tard. Eh, venez me filer un coup de main.
Ce type va nous les briser jusqu'à ce qu'il retourne chez sa mère. Alors, ça vient? Vous repartez en patrouille, lieutenant? Tous les jours, jusqu'à ce qu'on tienne la région, Parker. J'ai un travail à remplir. Ça risque pas d'aller vite si vous vous endormez sur votre lieu de travail. Je vais chercher ma radio, d'accord? Moyen de faire savoir à toute cette foutue région que nous venons d'arriver. Nom de Dieu, Bassera, Rogue, allez, foutez le feu.
sortir! Schultz. Vous avez encore sauvé la mise, hein, lieutenant. Ici Alpha 6-2, vous me recevez? Alpha 6-2 a été touché. Envoyez-nous un hélicoptère! Ça brûle! Oh, oh non, ça brûle! J'ai mal! Ouais. Ça va aller, courage! Oh, je suis en feu! Allez, grouillez-vous, on décampe! Nous allons le porter jusqu'à une zone d'atterrissage! Pas de panique, lieutenant! Tenez bon, l'hélico, il arrive! Accrochez-vous, lieutenant. On va vous sortir de là. Ils vont vous soigner. Mais attention, sa jambe. Allez-y, allez-y. Montez-le vite, on va pas moisir ici. Dégagez. Allez, foutons le camp.
Comment ça va, lieutenant? Je m'ennuie. Oui, je veux bien le croire, Knight. Pourtant, je voudrais que vous restiez encore 5 jours en infirmerie. Ça chauffe dans votre secteur et j'ai besoin que vous repartiez, mais uniquement une fois guéri. Truong Lam est le seul village qui ne soit pas Viet Cong de toute cette portion du pays. Oui. Et il se trouve que ça emmerde singulièrement l'armée nord-vietnamienne. Question propagande, c'est empoisonnant pour eux. Ils veulent vous voir déguerpir. Et croyez-moi, ils ne veulent pas qu'à moitié. Commandant, pour être efficace, il nous faut un effectif plus important, ainsi qu'un soutien logistique renforcé. On a dû vous le dire 100 fois déjà, mais c'est la vérité. On ne me l'a pas dit 100 fois, mais au moins 100 millions de fois. Je ne vous répondrai qu'une chose, lieutenant Knight. Je vous promets de faire ce que je peux dans ce sens, mais hélas, c'est tout ce que je peux promettre. Autre chose, fiston? Oui. Sortez-moi d'ici dans 3 jours. Je vais me charger de ça, Knight. Merci, les gars. Et voilà. Matt, raconte-moi encore. En théorie, il y a 3 phases. Premièrement, faut déjà que tu l'aies bien en main, que tu l'amènes vers toi et qu'elle se calme. Hein? Tu te sers de tes pouces. Tu les rentres dans la bouche, tu les pousses sur la lèvre et tu forces pour l'ouvrir en grand. Et elle gueule pas? Non, elle gueule pas. J'en ai jamais entendu crier. Bon, elle se tortille. Ouais. D'accord? Alors ensuite, pour décrocher, tu attrapes ton dégorgeoir. Tu le rentres dedans. Tu le passes sous l'hameçon et tu l'enlèves. Et ta merveille n'a plus qu'à être remontée. Je vois ça d'ici. J'ai remonté 3 truites en une seule saison et 2 énormes perches. Je savais pas que t'étais passionné à ce point. Ouais, la pêche, c'est ça dans le sang. Pas la peine de vous... Ouais, super. Oh non, t'as vu ça? Oh merde. J'arrive pas à le croire. Oh merde, regardez. Oui, voilà. On ne s'attendait pas à vous revoir. Alors, on a... Tenez. Et merci de m'avoir prêté le bouquin, lieutenant. J'ai bien apprécié. Alors, il n'est pas joli, ce champ de barbelés? Et un sac de sable. Thank you.
salut les filles. La vie est belle. On ne me sourit pas aujourd'hui. Rien à manger non plus. Pas bavarde, hein. Au revoir. Alors, Ice, on s'effarouche devant les jeunes filles? Ça n'a rien à voir. Cette fille, elle et son petit ami étaient avec un groupe de Viet Cong. Ils ont été pris dans une embuscade. Son petit ami a été tué et elle a reçu une balle dans le bras. Ravagé qu'il était. On l'a transporté vers une antenne médicale, mais ils n'ont rien pu faire pour son bras. Elle retourne au travail. Que peut-on dire à une femme qu'on a estropiée? Lieutenant? Je ne vous ai pas entendu vous annoncer. Et je... Ah, pas... pardon. Je recommence de... Non, donnez-moi ces papiers. Les renseignements m'ont donné ça, il y a à peine un instant. Et il paraît que ça barde plus au nord. Et il nous signale une forte concentration de troupes de Viet Cong. Et gare à vos fesses, qu'ils ajoutent. Combien? Ben, ils formeraient l'équivalent d'un bataillon, enfin, d'après eux. Et ça fait 200 contre 18, et il faudrait qu'on demande un peu d'aide, vous croyez pas, lieutenant? C'est ce que vous croyez, Parker? Oui, je crois. Bien. Comme on ne peut pas compter sur du renfort, ni de se défendre ici, rien n'interdit en revanche de lancer une attaque éclair. Bon, ça ira, vous pouvez vous en aller. Rock est en patrouille? Oui, lieutenant. Envoyez-moi les deux autres sergents. Et préparez-vous. Parker! Oui? Votre casquette? Ah, merci, justement. Nous rattraperons la patrouille de Hiles à 8 heures. Soyez précis. Ici Alpha 2-1, à vous. Ici 5-2, dites à 2-1 de nous rejoindre en vitesse. Il y a un cadavre en travers du chemin, à vous. Dites-leur de signaler leur position et de ne pas déplacer le corps. 5-2, 2-1 réclame vos coordonnées et dit de laisser le corps en place. Bien reçu. C'était la copine de Ice. On a regardé, pas de piège corporel ni rien. Elle est nette. Elle est morte, c'est tout. Chuan Kwaoki a été reconnu coupable par le tribunal populaire d'avoir aidé les impérialistes américains dans leur... oppression du peuple vietnamien.
Ceci est la sentence qui sera appliquée à tous ceux qui entretiennent des relations avec les Américains et les soutiennent dans la répression odieuse de notre pays. La vache, les mecs, c'est un formulaire. Ils n'ont rien fait que rajouter son nom. Tu te souviens de ce que tu es ? Je suis de l'aéroporté. Tu te sens prêt à tuer maintenant ? Alors suis-moi. Allons-y. Tirons-nous, les gars. C'est bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles de McNamara. Essaie de le joindre, Parker. 5-2, ici 2-1, à vous. 5-2, ici 2-1, à vous. Mais dis donc, je reçois rien sauf des parasites. Essaie encore. 5-2, vous me recevez ? Dispersez-vous et ouvrez l'œil. 5-2, ici 2-1. Thank you.
ici! J'ai besoin de la radio! Parker, nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fous? Viens ici! Remets-toi! Je peux pas. Non. Parker! Parker! Aidez-moi. Parker! Non! Oh non! 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 Brancardier! Brancardier! Mac, venez vite! Parker est touché! Mac, vous recevez? Oh merde, quelle saleté! Mac Navarra! Cet homme est mort, mon lieutenant. Oh non! Non! Couvre-nous sur la droite! Mac, à droite! À droite! Prends soin! Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu, elle a un bébé! Placez-vous en protection. Ils sont partis du côté des pistes. Permission d'interroger. Vous ne trouvez pas que ça suffit comme ça, Schultz? Il y a eu assez de morts pour aujourd'hui, et vous le savez parfaitement.
commandant. Vous avez fait un excellent travail. Merci, mon commandant. Je crois que vous connaissez le capitaine Davis. Joli coup, chef. Vous permettez qu'on jette un coup d'œil? Je vous en prie. Voulez-vous que nous allions discuter un moment chez vous? Après vous. Tenez, questionnez ces deux-là. Oui, capitaine. Bonjour, sergent. Selon ce qu'a déclaré le commandant Flynn, cette action vous assure à présent une maîtrise complète de tout le secteur environnant. Je souscris de tout cœur aux estimations du commandant Flynn. Et de vous à moi, je doute qu'il ait la moindre foutue idée de ce qu'il dit. Vous avez attendu, non? Vous avez encore vos oreilles? Ça peut m'intéresser d'en écouter plus. Ouais. En fait, je tiens à ce que vous en écoutiez plus. Tenez, ça vous aidera. Non, nom de Dieu, Rock! Je voulais seulement vous rendre service. Asseyez-vous, lieutenant. D'après moi, ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est l'annonce d'une offensive de grande envergure. Les Viet Cong veulent vous voir dégager, lieutenant. Mais au vu de la façon dont les gars se sont battus aujourd'hui... Commandant, je veux que vous sachiez. Ce coup-ci, on a eu de la chance. Beaucoup de chance. Quand je perds des hommes au cours d'une patrouille, personne ne les remplace, personne. Lorsqu'on tue 5 Viet Cong... 10 viennent à leur place. Pour pouvoir être offensif avec les Viet Cong, ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes pour se battre. Comptez sur moi, mon vieux. Vous les aurez, vos hommes. Et maintenant, si vous alliez vous laver et vider une bière, vous ne l'avez pas volé. Je peux être fier de vous, fiston. T'as vu le nombre de remplaçants qu'ils nous envoient? Trois malheureux types, c'est pas vrai. Ce n'est pas moi l'ennemi, détendez-vous. RTO? Oui, mon lieutenant. Bienvenue au Country Club. Votre nom, soldat? Les autres m'appellent le tueur, mec. Vous reformulez votre réponse, et cette fois en ajoutant lieutenant en fin de phrase. Première classe Don Pike, lieutenant. Vous avez passé combien de temps ici? Toute la putain de journée, lieutenant. Non, je parle du Vietnam, et plus vite le Vietnam. 5 semaines, lieutenant. Et ça vous ennuie d'avoir été appelé par l'armée? Ben, au contraire, je me suis engagé. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des petits problèmes avec des gars qui m'approvisionnaient en marchandises. Disons que j'ai fait plonger leur affaire. Jusqu'à ce qu'ils m'oublient, le Vietnam, c'est le seul coin où je suis en sécurité. Je sais manier un flingue. Je viens ici pour tuer. On m'appelle le tueur, mec. Lieutenant, ou ce que vous voulez. Mais vous voulez mon avis? N'est pas ici que vous serez en sécurité. Il y a plein de tueurs ici, et des meilleurs que vous. Si vous voulez tuer, vous le ferez sous un ordre. Si vous voulez aller chier, vous le ferez aussi sous un ordre. Dans l'immédiat, vous allez déballer vos affaires.
et ensuite vous vous présenterez au sergent Rock. Vous partirez avec lui en patrouille de déminage. Et c'est un ordre. Rompez. Moi, déminé. Hé, hey, toi le tueur, viens ici. Tu vas m'aider. Fais-moi voir ton index. Maintenant, ne bouge plus et laisse ton doigt là où il est. Et ne fais pas le moindre geste. Sans quoi, on fera des bretelles avec tes tripes. Ah bon sang, cette saloperie me rend nerveux, faut que j'aille pisser. Mais pas long, petit. Bien, t'as vu comment j'ai fait? La prochaine fois, tu t'y colleras tout seul. Faut savoir s'y prendre avec ses saletés. L'idée de la mort, c'est la meilleure des douches froides. Ça réveille bien. Où est Bassera? Salut, lieutenant. Vous êtes censé partir en patrouille, Bassera. Écoutez, j'ai pas trop la pêche aujourd'hui. Là, j'écris quelques mots à ma mère. Appelez-moi lieutenant. Hé, hey, du calme. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous croyez? C'est ma tisane. Rejoignez les autres. On part en patrouille. Je regrette, mon lieutenant. C'est mon arme qui est tombée. Fais tomber ton arme à terre, ne serait-ce qu'une fois encore. Et alors tu pourras prier le Seigneur que le coup m'atteigne en plein dos. Parce que si tu me rates, tu entends faille. Je me charge personnellement de répandre ta cervelle de merde à travers tout le camp. Faudrait qu'il arrête maintenant. Espèce de petit con. Vous feriez mieux d'intervenir. Ça ne te regarde pas.
Attendez, j'ai envie de pisser. Et de chier aussi. N'oublie pas de t'essuyer. J'aimerais savoir pourquoi chaque fois que Bassera doit s'éloigner un instant, il a toujours l'air nerveux et fébrile. Et chaque fois qu'il revient de pisser, il est toujours calme et serein. Je vais aller voir ce qu'il fait. Par hasard, c'est les vacances pour les jeunes cons psychédéliques. Hein? Oh non! Non! Oh! Merde! Tu aurais dû rentrer chez toi. Tu méritais ça de rentrer chez toi, oui! Serra, oh non, fais pas ça! Oh bon Dieu, reviens! Oh non, attends, meurs pas, ma Serra, je t'en prie, frangin, ne meurs pas! Mais réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi, ma Serra! Je t'aurai, enfant de putain! Mais réveille-toi, merde! Réveille-toi, je t'en prie! Oh, réveille-toi! J'enverrai une lettre à sa mère. Sera fier de lui. Il va sûrement y avoir une attaque. D'accord. Ah.
Les fusils éclairantes! Oh, bordel de bordel! Ils vont nous baiser! Ils n'y manqueront pas s'ils s'amènent. Ouvrez le feu! Feu! Cessez le feu! Merde!
relevez le nombre des tués et nettoyez-moi les alentours. Hayes, rassemblez vos hommes et suivez-moi. Schultz, amène-toi. Rock, organisez la protection du camp. C'est comme si c'était fait, lieutenant. À plus tard, au village. Est-ce qu'on va enfin se décider à m'envoyer un brancardier? J'en sais rien, Mac. Je sais que je fais mon travail, mais... D'après toi, c'est quoi ton travail? C'est protéger le village. Ceux qui vivent là. J'en sais rien, Mac. Je ne fais que suivre les ordres. Quoi, tu sais quelque chose que je ne sais pas? C'est quoi ton travail? À mon avis, c'est de m'arranger pour que les gens changent d'opinion. Tu sais comment je me représente ça? Presque tout le monde essaie de vendre quelque chose. Et ils vendent des voitures ou des maisons. Il y en a qui vendent des spectacles. Nous, c'est des idées qu'on vend. C'est vrai. Nous, on vend des idées. Et si tu rates une vente, si tu n'arrives pas à convaincre ton client, si t'échoues à lui placer cette idée que tu vends dans la cervelle. Place-lui ça dans la paillasse. Ça ne le fera peut-être pas changer d'avis, mais en tout cas, ça attirera sûrement l'attention de ses voisins sur ce que nous vendons. Bonjour, Jeff. Voici Scott et Riley. Lieutenant? Asseyez-vous. Vous connaissez la nouvelle? Les Viet Cong que vous avez mis en fuite, ils se sont attaqués aux Nord-Vietnamiens, à Thai Ninh. Un seul survivant. L'état-major a étudié votre demande, Jeff. Selon les renseignements, les Viet Cong s'apprêtent à investir la région. Les généraux sont d'accord avec vous. En employant notre force de frappe, on peut les arrêter. Ils m'ont remis la direction des opérations. Je vais examiner les détails du plan avec vous. Prenez ça. Votre section, la deuxième, rejoindra la troisième. Une fois réunis, vous avancerez sur le flanc Viet Cong. La première section fera office de compagnie de réserve. Elle demeurera sur son périmètre et vous appuiera avec les mortiers. Rien de plus traditionnel, en somme. Et vous, vous serez où? Avec la troisième section. Je dirigerai les tirs d'artillerie et les mouvements de réserve. Et j'aurai un contact radio avec la compagnie Alpha et le bataillon. Même en négligeant le fait que vous serez à 4000 mètres de l'objectif, ça échouera. Lieutenant, auriez-vous oublié les règles de conduite depuis que vous êtes ici? Je regrette. Cependant, il y a assez longtemps que je suis ici pour savoir ce qui peut marcher. Et qu'est-ce qui pourrait marcher, lieutenant? Ce serait un suicide que faire se rejoindre deux groupes d'hommes surexcités. Ça laisserait trop de marge à l'erreur. En particulier si on est en territoire Viet Cong. En revanche, nous savons que pour venir vers nous, ils doivent traverser cette zone dégagée. Attendons et prenons-les au piège. La troisième section sera à l'ouest. Et ma section sera sur le flanc est. Si les Viet Cong arrivent, on les étouffera jusqu'à la mort. Plaçons la première ici, d'où elle pourra commander les mortiers, tout en restant assez proche pour venir nous épauler si c'est nécessaire. Mais la troisième sera dans votre territoire. Elle n'y est pas habituée. Non, en effet. Un de nos hommes sera chargé de la piloter. Scott, vous commanderez la troisième. Ça me paraît faisable.
Notre puissance de feu y gagnera en efficacité. C'est bien, puisque c'est votre point de vue. Nous nous confions à vous, Jeff. On se met en marche! Et la guider jusqu'à sa position d'embuscade. Très bien. Quoi, qu'est-ce que t'as? J'en sais rien, j'aime pas ça. C'est encore ton sixième sens qui travaille? Ah, jusqu'ici, il m'a permis de survivre. Tu veux que j'en envoie un autre à ta place? Alors, est-ce que je t'ai dit ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que les Vietcong ont été vus, c'était quand? T'inquiète pas et va les chercher. Ça va aller. Ok, lieutenant, tout comme vous voudrez. Se dirige dans votre direction. Un contact négatif avec votre homme. Il est trop tard. Les Vietcong avancent vers votre position. Terminé. Saleté. McNamara va se retrouver nez à nez avec eux. Quel état est-il ?
Comment va-t-il? Mal en point, lieutenant. Il y en a dans tous les coins. Trouvez-moi un hélico et contactez le capitaine pour lui faire part de la situation. Vite! Je te sortirai de là, Mac. Faut que tu tiennes bon. Ne meurs pas, Mac! On se dépêche! Assurez la protection du secteur! Chut! Couvre-moi! Remuez-vous! Johan, pousse-toi un peu! Réveille-toi, bon Dieu! Tu vas pas crever ici, hein! Mais regarde-moi! T'endors pas, Mac! On va avoir l'hélicoptère! Le capitaine Davis nous envoie la première section, mais la troisième dit qu'on a déjà été passé par les Vietcong. Il se dirige vers le village. Le capitaine veut savoir ce qu'on peut faire. Il faut sortir Mac d'ici. On va trouver une zone d'atterrissage. Nous arrivons du côté S. Hé, les gars! Venez, on va pas moisir ici! Remuez-vous! Allez, les mecs! Thank you.
villageois et pulvériser tous ceux qui ont une arme. C'était après nous qu'ils en avaient. Comment ça va, Mac? À merveille. À merveille. Je vais repartir au combat d'un jour à l'autre. On me filera des pansements. Aux couleurs de camouflage, je ne demande qu'à valser à nouveau. Fais attention à ta lèvre. Ah, oh, c'est vrai. Et alors? Et alors quoi? Le village. On a perdu le village, Mac. Quand ils ont vu qu'ils ne pourraient en aucun cas prendre le dessus sur nous, ils ont décidé de le détruire. Sans village à prendre, plus de raison de se battre. Il sera reconstruit d'ici combien de temps? On l'a déjà reconstruit. Ah. Tu vas rentrer chez toi.
J'en sais encore rien, Mac. Aussitôt que j'aurai pris ma décision, je t'enverrai une carte postale. Comme ça, tu sauras. Moi, j'ai compilé, je remets ça 3 ans. Tu veux refaire un séjour? Oh, je sais pas trop. Arrête de t'esclaver, tu vas te refendre la lèvre. J'en ai rien à foutre. Tu es cinglé, tu le sais, ça. T'es un vrai cinglé. Le plus drôle, c'est que... Je commence à te comprendre. Oh, lieutenant. T'as été bon, fiston, c'est pour ça que tu rentres chez toi. Salut, Mac. Ravi de te revoir au Country Club.